Bonjour à tous, je me présente Mario Stilato, je suis l'organisateur et le présentateur du Show à l'italienne, 20e édition, dans cette salle du théâtre de Forbach. Cette année, nous proposons un spectacle très riche, très éclectique, des gens qui viennent d'Italie, donc le sosie officiel d'Adriano Celentano. Nous avons également la famille Dorado Schmidt et qui accompagneront nos amis artistes Severino et Sabrina Caruso. Ensuite, nous avons un groupe folklorique de Taormina. On a vendredi, samedi, Show italienne. Et le dimanche après-midi, on a un concert théâtral qui s'intitule Sicilia Mia. Ça retrace l'histoire du Sicilien immigré venu en France à travers des décors, des chansons, des costumes. Et avec une pointe de nostalgie pour nous qui avons connu toutes ces chansons que nos parents et grands-parents nous chantaient. Alors nous vous donnons rendez-vous pour le Show à l'italienne qui aura lieu vendredi et samedi à partir de 20h. C'est un vrai festival et c'est sur 2 jours. À ne pas manquer aussi Sicilia Mia, le beau spectacle de notre ami qui est aussi un des protagonistes du Festival de la chanson italienne, Anton Roman. Un très très beau spectacle et je te remercie pour cette invitation. Merci à toi, surtout pour d'être présent. La célébration du 20e anniversaire du Festival de la chanson italienne. 20 ans déjà, tous les ans, nous faisons vivre et revivre le bonheur à l'italienne, la dolce vita, et entretenir surtout l'hommage qui est rendu chaque année aux immigrés italiens. Ah oui, ça j'avais oublié de le dire. Voilà. On dédie ce spectacle à tous nos parents, grands-parents immigrés italiens. C'est ça. Qui sont venus ici, travailler ici dans les années 50, à la mine et ailleurs. En remerciant tout de suite, avant d'oublier la municipalité de Forbach, son maire Alexandre Cassaro et toutes ses équipes. Je vous donne rendez-vous vendredi, samedi, dimanche, après-midi. Donc samedi, c'est complet. Le vendredi, il nous reste quelques places. Et le dimanche, il reste encore pas mal de places. Dimanche, c'est à 15h. Hein. Et le vendredi, samedi, c'est à 20h, ouverture des rideaux.